potes, c'est Elia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Vidéo où je vais vous présenter ma... Enfin, non, depuis 3 semaines, tout ce que j'ai fait au collège, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Alors, déjà, je vais vous expliquer un peu de avant pour la rentrée. Déjà, avant la rentrée, je venais de déménager. Et du coup, j'avais pas du tout d'amis. J'avais pas d'amis, je connaissais personne du collège. Du coup, le jour de la rentrée, on a fait comme au CM2. Mon professeur principal, qui est une dame, ma prof principale, c'est Madame Pavi, prof de technologie. Je vais pas vous dire le nom de mon collège. Du coup, le jour de la rentrée, on a fait comme si on était au CM2. Les 5e, 4e, 3e sont venus à l'après-midi. Nous, on a fait toute la journée. Eux, ils sont venus juste pour l'après-midi. Et je vais vous présenter tout ce que j'aime et tout ce que je n'aime pas. Alors, ce que j'aime, on va commencer par ce que je n'aime pas. Alors, je ne suis pas fan de l'éducation musicale. Donc, c'est moyen, c'est entre les deux du coup. C'est la matière que j'aime le moins. Je dis pas que j'aime pas, mais j'aime bien, mais c'est vraiment juste parce que des fois, je m'ennuie un peu. Après, aussi, ce que je n'aime pas, c'est le dernier truc que j'aime pas, il n'y a que deux choses que j'aime pas. C'est quand je rentre, le cartable est trop lourd. Et vu que je prends plusieurs lignes, des fois la ligne elle est longue, mais des fois pas trop, mais ça fait quand même mal au dos. Ça me fait très mal au dos. Alors, on va maintenant aller dans ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est d'abord changer de classe. Ça a changé de classe, ça perturbe. Elle débute déjà le mardi avant la rentrée. Ça perturbe vraiment parce que tu changes de classe. Alors quand tu te souviens qu'en primaire, tu étais comme ça, tu bougeais pas de classe. Alors que là, tu bouges de classe et en plus, ça te permet d'être avec les profs très sévères. Tu ne les as pas pendant toute l'année. Enfin, si tu les as pendant toute l'année, mais qu'une heure ou deux chaque jour. Et l'emploi du temps est cool. Donc là, je vais vous montrer l'emploi du temps. Voilà, mon emploi du temps, c'est ça. Avec le mar. Là, aujourd'hui, je viens de finir à 15h50. Et le lundi, je finis à 4h45. Le mardi. Non, le mercredi, je finis 11h30. Le jeudi, je finis. Oui, 3h parce que la classe de vie a été décalée une fois par semaine. Le mardi matin, parce que normalement le mardi matin je débute l'école à 9h25. Le vendredi je finis, ça dépend. En semaine 1, je finis à 15h50 et ça a changé à la moitié de l'année, je vais finir 4h45. Et autrement, semaine 2, je finis 4h45. Alors, le jeudi, je finis tôt, du coup, et je prends le bus. J'adore prendre le bus. Après, l'AS pour tester plein de sports. Et la dernière fois, il y a eu la séquence de l'AS, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, je me suis bien amusée. J'ai eu un nouveau téléphone, enfin, mon premier téléphone. C'est un Huawei P30 Pro. Voilà comment il se représente. Après, là, il y a tout ça. Et j'ai eu un téléphone parce que je prends le bus. Et vu que ma maman est inquiète quand je prends le bus, j'ai un téléphone pour lui envoyer des messages, mais pas pour jouer. Mais aussi pour écouter des chansons si je veux. Après, j'ai eu mon PC portable. Donc, c'est un HP.
J'aime bien. Il est sympa. J'ai un site pour l'école. C'est mon site Pronotes. Voilà. Et du coup, moi, j'adore le collège. Voilà, tous ceux qui sont en primaire, c'est pour vous dire ça. Pour vous dire aussi comment un peu ça va se passer, le primaire, le collège, pardon. Pour ceux qui iront à dans plein d'autres collèges, je pense. Il y aura beaucoup de collèges. Là où vous allez aller, autrement, c'est Elliot. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le cerf de mon chat, Pikachu. Il vient d'avoir 3 ans. Oui, oui, bon, là, tu veux pas vraiment. Il a 3 ans, j'avais oublié de vous le dire. Marie est née le 1er octobre. Il est vraiment mignon. Bon anniversaire, Pikachu.